Voulons te bénir, Père, et te rendre grâce encore ce soir pour cette opportunité que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Merci, tendre Père, pour ta fidélité. Merci, tendre Père, pour ta présence au milieu de nous ce soir. Encore une fois, tu nous donnes ce privilège de nous tenir dans ta présence. Notre Seigneur et notre Dieu, ce dont nous avons besoin ce soir, encore une fois de plus, c'est que tu nous inonde de ta présence. Tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu de nous. Nous te croyons encore ce soir présent au milieu de nous. Réunis en ton nom, Seigneur notre Dieu, avec tes enfants, nous te croyons présent et nous te disons merci pour ta présence. Merci Dieu Tout-Puissant pour ce que tu es, ce que tu fais. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Notre Seigneur et notre Dieu, merci tendre Père pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci tendre Père pour ton amour, pour ta bonté et pour ta fidélité. Ô notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, grand roi de l'univers. Étant ta main des grâces et des faveurs dans nos vies et dans nos familles respectives, pendant ce temps que nous sommes réunis, Seigneur notre Dieu, et merci de toucher aussi tous ceux qui sont dans l'impossibilité de pouvoir se connecter ou peut-être sont dans une situation difficile ou qui sont malades et autres. Nous prions tendre Père que tu te révèles à eux, que tu les touches là où ils sont, nos puissants de Jésus-Christ. Bénis ainsi ta parole et glorifie ton nom dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te glorifions, toi qui es notre Seigneur et notre Roi. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur. Sois béni, maman Espérance, maman Alpha. Que Dieu vous bénisse. Ton feu d'amour divin. Alléluia. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de nous. Ceux qui refusent de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse-nous le flot des abondantes eaux. Bonsoir, mon Marita. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Sois le Seigneur. De notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps. Ah oui, du sang de ton agneau, déverse en nous le feu. Bonsoir, bonsoir, ma Valentine Mado. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur et pour ta fidélité. Alléluia. Merci notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour le sang qui a été versé à la croix. Du sang de ton agneau, et verse à nous le feu, les abondantes joies de ton âme. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, et laisse-nous le feu, les abondantes joies de ton âme. Alléluia. Restaure-nous,
Alléluia. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour le sang qui a été versé à Golgotha. Nous te bénissons éternel Dieu tout puissant. Nous te rendons toute la gloire, maître du ciel et de la terre. Dieu tout puissant, merci, merci Seigneur. Pour ta grâce et pour ta faveur, merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, nous bénissons Dieu pour le sang qui a été versé à Golgotha. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre de la croix, pour le sang qui avait été versé à Golgotha. Bonsoir, ma sœur Esther Mayamba. Bonsoir, pasteur Jacqueline, maman Jackie, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, nous allons dire merci au Seigneur pour son sang, le sang de son Fils qui a été versé à la croix. Élevons nos voix, bien-aimé dans le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour le sang versé à Golgotha. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce pour le sang qui a été versé à Golgotha. Nous te rendons grâce pour le sang qui crie mieux que celui-là belle. Nous te rendons grâce pour le sang de la grâce et de la faveur. Nous te rendons grâce pour le sang qui purifie, le sang qui sanctifie. Nous te disons merci, Dieu Tout-Puissant, pour le sang de ton Fils qui a été versé à Golgotha. Nous te disons merci pour le sang de la grâce et de la faveur. Nous te disons merci pour le sang de la libération, le sang de la paix, le sang de la justification, le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Nous te disons merci pour le sang de la victoire. Nous te disons merci pour le sang de la justification. Nous te disons merci pour le sang de la paix. Nous te disons merci pour le sang de la faveur, le sang au travers duquel nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, merci pour le sang versé à Golgotha. Merci pour le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Nous te bénissons et nous te glorifions à cause du sang de ton Fils qui a été versé à la croix, à cause du sang de la nouvelle alliance, à cause du sang de la grâce et de la faveur. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, puissant de Jacob. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons. Nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour son Esprit Saint qu'il a. Nous allons bénir le Saint-Esprit pour sa présence. Élevons nos voix, bénis. Bénissons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous encore. Ce soir, Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit de nous combler encore ce soir de ta présence. Toi, l'Esprit des grâces et des faveurs. Toi, l'Esprit des louanges, d'adoration. Cher Saint-Esprit, inonde de nos vies de ta présence. Inonde de nos vies de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci du nom de nos vies. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous proclamons et nous célébrons ta victoire au milieu de nous. Révèle-toi à nous, révèle-toi à nous, révèle-toi à nous, révèle-toi à nous, cher Saint-Esprit, révèle-toi à nous, cher Saint-Esprit, révèle-toi à nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Révèle-toi, mon frère, révèle-toi, ma sœur, révèle-toi à nous pendant ce temps que nous sommes là pour te louer, pour te célébrer, pour te glorifier. Révèle-toi, cher Saint-Esprit, révèle-toi, cher Saint-Esprit. Merci de te révéler à mon frère, à ma sœur, à ton peuple. Révèle-toi à l'Église, réunis ce soir, Seigneur notre Dieu. Nous sommes réunis ce soir. En tant qu'Église, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci de glorifier ton Saint-Nom. Alléluia. Et merci, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. L'Esprit de grâce et de faveur. Merci, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère Yuri,
Que Dieu vous bénisse. Maman Maria, soyez bénie. Maman Irène, que Dieu vous bénisse. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Ce soir, nous disons, nous prions, bienvenue dans le Seigneur, pour le pardon. Alléluia. Le pardon. Pourquoi c'est... Nous commençons une série de prières de guérison. Donc, toute cette semaine, bienvenue, nous prions pour la guérison. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Je vous ai dit, n'est-ce pas bien aimé? La guérison, n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur? C'est une des promesses de Dieu. Une des promesses de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a promis, n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur, une santé. Une santé totale. Alléluia. Bien aimé, Dieu nous a promis une santé totale. Telle est sa volonté, bien aimé dans le Seigneur. Il nous promet une santé totale, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, nous sommes appelés à rechercher cette santé, à réclamer cette santé. Si ça ne va pas, nous devons la rechercher. Nous devons la réclamer. Seigneur, guéris. Seigneur, libère. Seigneur, touche. Nous devons, bien-aimé, réclamer la santé totale. Parce que lorsque nous lisons la parole de bien-aimé dans le Seigneur, c'est, je pense que quelque part, bien dans le Seigneur, c'est quand même une erreur de notre part de croire que nous devons accepter certaines choses dans notre vie, notamment certaines infirmités, certaines maladies. Que nous, voilà, c'est la volonté. Parfois, bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Comme dans les cas de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ce n'est toujours pas le cas, bien aimé. Parfois, nous acceptons cette condition. Alors, ce n'est pas une condition telle que Dieu le veut. C'est une condition, bien aimé, qui nous est imposée par l'ennemi. Et nous devons, bien aimé dans le Seigneur, refuser cela, bien aimé dans le Seigneur. Parce que dans l'œuvre, n'est-ce pas, dans l'œuvre de perfectionnement de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, le corps humain ne doit pas être négligé, bien aimé dans le Seigneur. Le corps humain ne doit pas être négligé. C'est pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, bien aimé, Dieu prend soin du corps. L'apôtre Paul dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Votre corps appartient à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, le corps ici appartient à Dieu. Dieu veut aussi sauver le corps, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il faut que le corps soit en bonne santé parce que, bien-aimés, personne ne peut accepter d'habiter dans une maison, bien-aimés, qui est en mauvais état. Le Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais le temple doit être en bon état. Le temple doit être bien soigné. Voilà pourquoi Dieu veut que le corps soit, bien-aimés, en bonne santé. Et Dieu se préoccupe, bien aimé, de notre santé. Nous l'avons dit l'autre fois, bien aimé, dans Exode 15, le verset 20. Exode 15, le verset 26. Bien aimé, Dieu se préoccupe de notre santé. Il le dit clairement, je suis l'Éternel qui t'a guéri. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit, alléluia. Si tu es fait ce qui est droit, bien aimé dans le Seigneur, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Donc, Dieu se préoccupe bien de notre santé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Dans la plupart des cas, bien aimé, nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Nous ne marchons pas selon, bien aimé, la volonté de Dieu. Voilà le grand problème qui se passe dans nos vies. C'est parce que, moi, bien aimé, nous négligeons la parole de Dieu. Nous ne faisons pas attention, bien aimé, à la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est là le grand problème. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit, bien-aimé dans le Seigneur, que la maladie ou les maladies, les infirmités, bien-aimé, sont les conséquences du péché, sont les conséquences de la désobéissance. De Genèse à l'Apocalypse, je peux vous les montrer, vous les démontrer, bien-aimé dans le Seigneur, les conséquences de la désobéissance, bien-aimé dans le Seigneur. Les conséquences, n'est-ce pas, bien-aimé, du péché. Et Dieu ne veut pas, bien aimé dans le Seigneur, nous voir dans cet état-là. Dieu veut nous voir, bien aimé, dans un état où nous sommes en bonne santé. Bien aimé dans le Seigneur, il dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc le corps, il dit, lui appartient cette fois-là. Mais comment quelqu'un peut accepter d'avoir une maison qui est sale? Et lui-même, il habite dans cette maison.
Ça n'a pas de sens, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un ne peut pas accepter, n'est-ce pas, bien aimé, d'accepter d'avoir quelque chose qui n'est pas en bonne santé, quelque chose, bien aimé, qui n'est pas bien, qui n'est pas beau. Personne ne peut l'accepter. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'écoute, l'écoute, bien aimé dans le Seigneur. Ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, n'est-ce pas? Et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Bien aimé, nous comprenons par là que maladie, n'est-ce pas, bien aimé? Maladie, infirmité, c'est conséquence, bien aimé, du péché, de la désobéissance ou de la rébellion vis-à-vis de Dieu. Conséquence, bien aimé, désobéissance ou rébellion vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus, absolument, lorsqu'il est venu sur terre, bien aimé, il les guérissait, mais d'abord, c'est passé par les pardons. Les pardons, bien aimé, dans le Seigneur. Je vais vous montrer une chose. Regardez. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, je disais tout à l'heure ici, prière de guérison, mais demandez d'abord. Demande de pardon. Demandez pardon, Seigneur, pardon. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le problème, c'est la désobéissance. Regardez, je vais vous montrer d'où viennent les maladies. Les infirmités. Je prends Deutéronome. Dans Deutéronome, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous montre la conséquence de l'obéissance et la conséquence du péché. Lorsque nous obéissons, bien aimé, c'est la bonne santé, c'est la guérison, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bénédiction, c'est toutes ces choses. Vous lisez Deutéronome, n'est-ce pas, 28, de verset 1 jusqu'au verset 14. Mais quand on arrive au verset 15, Deutéronome 28, dit, mais si tu n'obéis pas, mais si tu dois, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, si tu obéis, pas toutes les bénédictions, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas, écoutez, si tu n'observes pas, et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes celles que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et puis on commence, n'est-ce pas, toutes les malédictions. Mais le verset 22, regardez bien. L'Éternel, Deutéronome 28-22, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Vous voyez, bien, la conséquence, n'est-ce pas, du péché, toutes ces maladies-là. Fièvre, inflammation, chaleur brûlante. Donc, toutes ces maladies-là vont te poursuivre. Bien aimé dans le Seigneur. Je pense qu'il est très important que nous puissions comprendre que Dieu nous veut en bonne santé, mais le problème, c'est nous, la désobéissance. Ça a commencé depuis les jardins d'Éden. La maladie est venue, bénis à l'océan, parce qu'il y a eu désobéissance. Bien-aimé, ce n'est pas l'effet du hasard, bien-aimé, d'être en bonne santé. Ce n'est pas l'effet du hasard. Peut-être le fait d'avoir de l'argent, ou j'ai de l'argent, ben voilà, je vais me taper tous les grands médecins du monde. Non, c'est faux, ben, on peut avoir de l'argent, mais on n'est pas en bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne santé, n'est-ce pas, bien-aimé, dépend d'un certain nombre de règles à respecter. L'ancien gars, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé? 3 Jean 1, jusque 2. Donc, nous devons, bien évidemment, faire très attention dans notre vie de tous les jours, dans notre manière de vivre, parce que dans les cas contraires, nous passerons à côté de l'essentiel. Il dit, l'Éternel, laissez-moi vous enverra des maladies, la fièvre, des brûlures dans les corps, la sécheresse, bien évidemment, le Seigneur. C'est terrible, hein? Donc, il dit que même dans les champs, dans le Seigneur, que ce soit tout ce que vous allez semer, les céréales, les consorts vont pourrir. Dit Dieu, dit, je vais vous frapper de tous ces malheurs. Mais regardez, dans le Seigneur, le verset 27. L'Éternel te frappera des ulcères d'Égypte, des hémorroïdes, des gales, des teignes, dont tu ne pourras guérir. Vous imaginez, c'est parfois certains cancers des peaux et consorts.
dit, dont tu ne pourras guérir. C'est-à-dire que tu peux avoir de l'argent, tu vas voir le médecin, dit, tu te tapes le plus grand médecin du monde, tu les réunis tous, le monde entier. Ils viennent de part et d'autre, États-Unis, Canada, n'importe où, Inde, tu réunis tous les médecins, les Chinois, ils viennent bien aimer, même avec la médecine traditionnelle, ils viennent avec tout. Dieu dit, dont tu ne pourras guérir. Impossible. Sinon, Steve Jobs, qui est parti, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque temps, les patrons de Apple, ben, il avait un cancer de pancréas. Il est passé. Pour dire, bien aimé dans le Seigneur, que la maladie, bien aimé, c'est le fruit de la désobéissance. L'Éternel te frappera au genou et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons implorer la miséricorde de Dieu. Certaines maladies viennent dans notre parce que nous n'avons pas une vie correcte devant Dieu. Nous vivons une vie de péché, une vie de désobéissance à la volonté de Dieu. Bien aimé, nous devons marcher dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Avant que ne vienne la guérison, il y a d'abord, bien aimé dans le Seigneur, le pardon. Le pardon précède la guérison. Il y a d'abord le pardon. Oui, Seigneur, guéris mon peuple, mais d'abord le pardon, d'abord. Il faut que Dieu nous pardonne. Parce que les maladies, les infirmités, bien dans le Seigneur, c'est les résultats du péché, c'est les résultats de la désobéissance, c'est les résultats de la rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. Je vous donne un exemple dans la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Regardez bien. Dans Luc 5. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tout le village de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Suivez très bien. La puissance s'est manifestée par des guérisons. Le verset 18. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, chercha à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Vous voyez, n'est-ce pas d'abord? Il commence, tes péchés te sont pardonnés. Comment je vais te guérir tant que le péché est là? Dieu est dans ses principes. Dieu est dans ses principes. D'abord, la guérison, n'est-ce pas, c'est le péché. D'abord, bien aimé dans l'océan, il faut le pardon de péché. Il dit, voyant leur foi, pas la foi de la personne. La personne est malade. Il y a des gens pour qui nous prions, n'est-ce pas? Ils n'ont pas la force de prier. Ils sont complètement amoindris, même dans leur mental. Mais nous pouvons les porter devant Dieu, bien aimé. Dieu comprendra notre foi. Dieu le pardonnera et Dieu le guérira. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés. Il n'a pas dit les hommes, hein. C'est qu'il a amené. Il a vu la foi de la personne. Il n'a pas regardé la foi de la personne. Il a regardé la foi des personnes qui l'ont amené devant lui. Il a dit, mais homme, tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas dit ceux-là qui l'ont amené. Il dit, je vois votre foi, mais je pardonne d'abord ces péchés. Regardez la suite. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? C'est la preuve, bien aimé, que Jésus était Dieu. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche, vous voyez, lève-toi et marche, sois guéri. Et là, on commence par d'abord le pardon de péché. Vous voyez, n'est-ce pas? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Mais pourtant, il avait pardonné. Il pouvait bien dire, voilà, tu as pardonné, c'est bon, vas-y. Non, il dit, je te pardonne. Mais maintenant, après le pardon, viens maintenant la guérison. Il dit, maintenant, là, allez, lève-toi maintenant. Dieu, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Tu as déjà été pardonné tes péchés. Maintenant, il n'y a pas de droit légal à te réclamer, n'est-ce pas? Que la maladie te réclame. Mais la maladie nous réclame parfois à cause de son droit légal, à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion. Et à l'instant, il s'éleva en leur présence, prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Voilà, mais cet homme ne pouvait pas parler. Cet homme était affaibli. Mais dès lors qu'il a été pardonné, dès lors qu'il a été guéri, bien aimé, là on voit la voix sort, il a commencé à glorifier Dieu. Bien aimé dans le Seigneur,
Nous devons prier pour le nôtre. Voilà pourquoi le Seigneur, il est mort, il nous a légué les testaments. Il nous a légué maintenant le Seigneur les promesses de la guérison. Je vous ai dit, n'est-ce pas, tant que le testateur est encore vivant, nous ne pouvons pas réclamer l'héritage. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Nous avons notre testateur divin, c'est Jésus. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est mort à la croix. L'agneau immolé, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous donner la victoire. Voilà pourquoi cette guérison-là, bien-aimé, 1 Pierre 2, le verset 24, il dit, lui qui a porté nos péchés, bien-aimé, nos péchés en son corps sur le bois, nos péchés. Donc, nous ne pouvons pas être guéris. S'il y a péché, bien-aimé dans le Seigneur, il a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le maître sur duquel vous avez été guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là ce soir, bien-aimé, pour demander par que Dieu implorait la miséricorde de Dieu. J'ai dit, bien-aimé, implorer la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi les psalmistes pouvaient prier autrefois, bien-aimé, en disant, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. » Il a reconnu, bien dans le Seigneur, qu'il fallait que les dieux de la guérison viennent à son secours. Voilà pourquoi même dans Jacques 13 nous dit quoi? Jacques 5, le verset 13 jusqu'à verset 15. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Dans la souffrance, qu'il prie. Et le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Il y a des situations où on a besoin que les gens prient pour nous. Comme cette personne, n'est-ce pas, paralytique, on l'a amené devant le Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin, n'est-ce pas, de nos prières, de la prière des anciens, de la prière de l'église. La prière de la foi sauvera le malade. Oui, n'est-ce pas? La prière de la foi souveraine. Et le Seigneur le reverra. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Bien-aimé dans le Seigneur. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu pardonne. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit dans nos familles, que ce soit autour de nous, les personnes qui sont malades. Nous allons prier que Dieu pardonne. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de guérison. Que Dieu ait pitié de nos familles. Que Dieu ait pitié, béni dans le Seigneur, de nos enfants. Que Dieu ait pitié, béni dans le Seigneur, de ceux qui nous sont proches autour de son peuple. Que Dieu ait pitié pour la guérison. Bien-aimé, Dieu nous veut en bonne santé. J'ai de la douleur dans mon corps. J'ai de la douleur dans mes bras. J'ai de la douleur dans mes muscles. Oh, j'ai de la douleur dans mes pieds, dans mes jambes. J'ai de la douleur, Seigneur, dans mon dos. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois guéri. Nous devons réclamer la guérison, bien-aimé dans le Seigneur. Mais d'abord, le pardon. Implorons le pardon, la miséricorde. Il y a cette semaine, c'est une semaine, nous prierons pour la guérison. Mais nous ne voulons pas que la maladie puisse avoir le droit légal, notamment le péché et la rébellion. Nous refusons cela, mais nous voulons implorer la miséricorde de Dieu. Le pardon de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés, que Dieu pardonne son peuple, que Dieu pardonne ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, la maladie, n'est-ce pas, bien-aimés, c'est l'échéance naturelle des erreurs, l'échéance naturelle des fautes, l'échéance naturelle, bien-aimés dans le Seigneur, des imprudences, l'échéance naturelle, bien-aimés dans le Seigneur, de la désobéissance que nous avons accumulée. Voilà pourquoi il a dit à ces paralytiques-là qu'on a amené devant lui, d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu te veut en bonne santé. Bien-aimé, Dieu te veut en bonne santé, je vous assure. Dieu nous veut en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Il nous veut en bonne santé. Si au milieu de nous, il y a des gens qui sont malades, Dieu nous veut en bonne santé, bien-aimé dans le Seigneur.
Nous devons prier pour le nôtre, qu'il soit guéri, qu'il soit fortifié. Dieu nous veut en bonne santé. Nous commençons à nous habituer avec la maladie, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'entre guillemets, nous disons, il y a le médecin et le médicament. On n'a pas le temps de nous tourner vers le Seigneur guéri, bien aimé. Tu peux commencer à prendre le médicament toute ta vie. Tu t'habitues, mais tu dois réclamer la guérison. Tu n'es pas appelé, bien aimé, à t'accoutumer au médicament. Tu dois réclamer la guérison, dit Seigneur. S'il te plaît, je réclame la guérison, Seigneur. Bien aimé, il y a des maladies qui sont d'origine occulte, des maladies qui sont d'origine démoniaque. Et donc, nous devons réclamer pour lui, Seigneur. Ici, nous réclamons la guérison. Parce que c'est la volonté de Dieu, bénédicte au Seigneur. Il veut nous voir en bonne santé. Telle est sa volonté. Nous allons élever nos voix, n'est-ce pas? Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. D'abord, nous allons lire... le psaume 51. Nous allons le lire ensemble. Le psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi. Le verset 3. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Mon péché est constamment devant moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, je reconnais mes imprudences, je reconnais mes fautes, je reconnais mes erreurs, je reconnais mes péchés, Seigneur, je le reconnais, Seigneur. Je le reconnais, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, t'éclaire ce soir. Tu vas dire, Seigneur, Saint-Esprit, éclaire, que ta lumière m'éclaire à voir mes péchés et à le reconnaître devant Dieu ce soir. Saint-Esprit, éclaire-moi, éclaire les ténèbres dans mon cœur, éclaire les ténèbres dans mes pensées, éclaire-moi, Saint-Esprit, que je puisse voir mes péchés, je puisse encore le reconnaître ce soir. Et je puisse décider de les abandonner au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, tu n'as pas besoin d'avoir tu es seul, tu n'as pas besoin d'avoir honte, tu es seul, bienvenue dans le Seigneur, tu es seul avec ton Seigneur. N'aie pas honte, dis-lui Seigneur, ouvre-lui ton cœur, parle au Saint-Esprit, il est là, il est dans toi, il te connaît. Bien-aimés, nous allons reconnaître nos péchés, reconnaître nos erreurs, reconnaître nos fautes, reconnaître nos imprudences, reconnaître nos transgressions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons le reconnaître. Seigneur, je reconnais que j'ai fait ça. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons implorer la grâce et la miséricorde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, élevons-nous, bien-aimé. Commence à reconnaître tes péchés. Devant du Seigneur, je reconnais mes péchés. Oh, Saint-Esprit, viens nous éclairer, bien-aimé. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer, la lumière du Saint-Esprit de t'éclairer. S'il te plaît, Saint-Esprit, que ta lumière nous éclaire. Saint-Esprit, éclaire-nous de ta lumière. Nous avons besoin de ta lumière ce soir, cher Saint-Esprit. Que ta lumière éclaire, que ta lumière nous éclaire, que ta lumière éclaire, mon frère, que ta lumière éclaire, ma sœur, que ta lumière nous éclaire, cher Saint-Esprit. Éclaire-nous de ta lumière, que ta lumière éclaire les ténèbres dans nos cœurs, que nous puissions voir nos péchés et nous puissions le reconnaître. Je reconnais mes péchés sont constamment devant toi. Je le reconnais, maître du ciel et de la terre, aie pitié de nous. Nous reconnaissons que nous reconnaissons nos erreurs, nous reconnaissons nos imprudences, nous reconnaissons nos fautes, Seigneur, nous reconnaissons notre orgueil, notre paresse, notre Seigneur, notre Dieu, nos imprudences, tendre Père, notre négligence. Je reconnais mes imprudences, mes paresses, mes pensées impures. Je le reconnais, tendre Père, j'implore ton pardon. Seigneur, notre Dieu,
Éclaire mon âme, éclaire mes pensées, éclaire mon être tout entier, éclaire mon frère, ma désobéissance à l'écoute de ta voix. Seigneur notre Dieu, chaque fois j'écoute ta voix. Il m'arrive de ne pas, Seigneur notre Dieu, aller le mettre en pratique, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi je viens devant toi reconnaître, alléluia, mes imprudences, reconnaître, Seigneur notre Dieu, ma désobéissance, reconnaître mes fautes, reconnaître mes erreurs. Je viens devant toi ce soir pour implorer, Seigneur notre Dieu, ta miséricorde. Tu y es le Dieu de grâce. Nous reconnaissons nos transgressions, Seigneur notre Dieu. Nous reconnaissons nos transgressions. Nous reconnaissons nos erreurs, nous reconnaissons nos imprudences, nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons maître du ciel et de la terre, alléluia, nous, c'est notre Dieu, nous reconnaissons nos fautes, nos erreurs, au nom puissant de Jésus Christ, et nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, ô tendre Père, merci, merci grand roi de l'univers, merci puissant de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant demander pardon, n'est-ce pas? Seigneur, je demande pardon. Pardon pour n'avoir pas mis ta parole en pratique. Pardon pour n'avoir pas écouté. Pardon pour avoir été égoïste. Pardon, Seigneur, pour avoir été orgueilleux. Bien-aimé, tu vas demander pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, tu connais beaucoup de choses pour lesquelles, n'est-ce pas? Bien-aimé, maintenant tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon. Pardon pour les doutes, pardon pour l'égoïsme, bien-aimé. Pardon pour ton orgueil, alléluia. Pardon, bien-aimé, pour notre orgueil. Mais que Dieu pardonne, n'est-ce pas, bien-aimé, le Seigneur, pour notre paresse spirituelle. Pardon, Seigneur, pour notre manque de mise en pratique. Pardon, Seigneur, pour nos erreurs sur le plan spirituel. Seigneur, pardon, bien-aimé, que Dieu pardonne, bien-aimé, le Seigneur, pour notre laisser-aller, que Dieu pardonne pour avoir fait confiance aux hommes, que de faire confiance. Donc, tu vas demander pardon pour toutes ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit t'éclaire chaque fois que quelque chose vient dans ta tête, tu demandes pardon. Tu connais ta vie. Que le Saint-Esprit t'éclaire chaque fois à reconnaître un péché et à demander pardon. Alléluia. Commence à venir demander pardon, n'est-ce pas? Commence à demander pardon, s'il te plaît, tendre Père. Nous voici devant toi, c'est notre Dieu ce soir. Nous voici pour te demander pardon au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Ma désobéissance. Pardonne, Seigneur. Alléluia. Le manque de mise en pratique de ta parole. Pardonne, c'est notre Dieu, pour n'avoir pas écouté. Alléluia. Et bien appliqué par rapport à l'écoute. Je demande pardon. Pardon, tendre Père. Pardonne pour la dureté de mon cœur. Pardonne pour la dureté de mon cœur. Pardonne, c'est notre Dieu, pour la dureté de mon cœur. Pardonne pour mes oreilles. La surdité, c'est notre mes oreilles. Seigneur, pardonne, Seigneur. Pardonne mon langage facile. Pardonne-moi d'avoir blessé par mon langage. Pardonne-moi d'avoir eu des pensées impures. Pardonne-moi, tendre Père, d'avoir été malhonnête dans certaines choses. Pardonne-moi, c'est notre Dieu. Alléluia, de ma négligence en tant qu'enfant de Dieu dans la prière. Seigneur, pardonne-moi de ma négligence dans la méditation de ta parole. Seigneur, pardonne-moi, alléluia, d'être un chrétien, tantôt ni chaud ni froid. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, grand roi de l'univers, pardonne-moi de vivre en dessous, c'est notre Dieu, du minimum, en dessous, c'est notre Dieu, alléluia, du minimum spirituel acceptable. Seigneur, pardonne-moi de toute mon négligence sur le plan spirituel. Seigneur, pardonne-moi de me confier aux hommes que de me confier en toi et en ta parole. Pardonne-moi de me confier aux médicaments que de me confier en ta parole, que de me confier dans le sang de Jésus-Christ qui guérit toutes les maladies. Seigneur, pardonne-moi, alléluia, pardonne-moi, c'est notre Dieu, de ma voix, d'avoir eu des pensées impures. Pardonne-moi d'avoir mal parlé de tes serviteurs, d'avoir critiqué, d'avoir, c'est notre Dieu, calomnié. Seigneur, pardonne-moi d'avoir diffamé. Je te demande pardon. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, les dieux de pardon. Seigneur, pardonne-nous, éternel Dieu tout-puissant. Pardonne ton peuple, pardonne tes enfants. Pardonne ton Église. Nous te demandons pardon, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu y es le Dieu de pardon. Nous voici devant toi ce soir pour implorer ton pardon, s'il te plaît. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur d'avoir été orgueilleux, d'avoir été sur notre Dieu. Alléluia. De n'avoir pas réfléchi avant de parler ou avant de faire certaines choses. Pardonne l'égoïsme, pardonne l'orgueil,
pardonne l'arrogance, même l'orgueil spirituel. L'arrogance sur le plan spirituel. Seigneur, pardonne le fait d'être vaniteux. Seigneur, pardonne Dieu Tout-Puissant. Seigneur, pardonne mes attitudes, mes humeurs qui n'ont pas plu à certaines personnes. Tendre Père, qui témoigne mes humeurs. Seigneur, notre Dieu, pardonne des pensées impures dans mon cœur. S'il te plaît, tendre Père, je demande pardon. Je demande pardon, éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi d'avoir désobéi, d'avoir, ce notre Dieu, pardonne tous mes péchés, pardonne ma désobéissance, pardonne, s'il te plaît, ma rébellion vis-à-vis de ta parole. Seigneur, je te demande pardon, pardonne mon frère, pardonne ma sœur, pardonne, s'il te plaît, tendre Père, pardonne ton peuple, pardonne ton Église. Seigneur, je demande pardon. Nous avons péché contre toi et contre toi seul. En ce moment, tu seras juste dans ta sentence. S'il te plaît, souviens-toi que nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Je transporte ton peuple devant ton trône de la grâce. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous avons péché contre toi par notre négligence, par notre désobéissance, par notre égoïsme, par notre arrogance, par nos blasphèmes. C'est notre Dieu. Allez, mal et plaisir plus que Dieu, de demander pardon, c'est notre Dieu. Alléluia. Avoir l'apparence de la piété, de rien, ce qui en fait, c'est notre Dieu. Sa force, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne mon frère et ma soeur. Pardonne ton peuple. Pardonne ton Église. Les dieux de pardon, les dieux de grâce, les dieux de miséricorde. Nous te demandons pardon parce que nous avons péché contre toi et contre toi seul. S'il te plaît, souviens-toi que nous sommes ton peuple. Nous avons péché contre toi. Ce soir, nous sommes là devant toi pour demander pardon, pour implorer ta miséricorde et ton pardon. Maître du ciel et de la terre, pardonne ton peuple, pardonne, ô Dieu. Souviens-toi que nous sommes ton peuple, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Pardonne, ô Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Merci, grand roi de l'univers, merci pour le pardon de nos péchés, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis dans le Seigneur, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. Tu vas commencer maintenant à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à prier, n'est-ce pas? Seigneur notre Dieu, nous implorons ta miséricorde. S'il te plaît, notre Dieu, ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, nous implorons ta miséricorde. Maître du ciel et de la terre, ta miséricorde, s'il te plaît. Nous implorons ta miséricorde. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton Église. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié de nous, tendre Père. Aie pitié, s'il te plaît. Aie pitié, ô Dieu. Aie pitié dans ta bonté. Aie pitié, alléluia, selon ta grande miséricorde. Aie pitié, selon notre Dieu. Et merci d'effacer nos transgressions. Aie pitié, selon notre Dieu. Aie pitié dans ta bonté. Aie pitié dans ta miséricorde. Et selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Efface nos transgressions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci d'effacer nos transgressions. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas prier par le sang de Dieu, n'est-ce pas? Par le sang de Jésus. Que Dieu nous lave. Que Dieu purifie nos cœurs. Seigneur, purifie, alléluia. Purifie-moi de mon péché. Que Dieu purifie nos cœurs. Que Dieu purifie nos pensées. Que Dieu nous purifie par le sang de Jésus. Élève-la, mais commence à demander, n'est-ce pas? Mais que Dieu nous purifie, n'est-ce pas? Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. Merci de nous purifier, de purifier nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie mon être tout entier. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci de nous purifier. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci de nous purifier, grand roi de l'univers. Lave-nous, Seigneur notre Dieu, purifie-nous, purifie-nous, purifie-nous. Au nom puissant de Jésus, lave-nous de nos péchés, lave-nous de nos fautes. Au nom puissant de Jésus, merci de nous laver, de nous nettoyer par le sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, éternel notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci de nous purifier, de nous laver, de nous sanctifier. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, purifier, sanctifie mon frère, purifier, sanctifie ma soeur, purifie, tendre Père, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades, tendre Père, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, purifie, c'est notre Dieu, que les pécheurs, c'est notre Dieu, nous réclamons, tendre Père, la miséricorde dans la vie de tous les pécheurs, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, purifie-nous. Purifie-nous complètement, nous puissants de Jésus. Lave de notre Dieu. Donne-nous un cœur pur. Donne-nous un cœur pur.
Donne à mon frère un cœur pur. Donne à ma soeur un cœur pur. Donne-nous un cœur pur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, purifie nos cœurs. Nous te bénissons sur Internet, Dieu Tout-Puissant. Merci de nous purifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta grâce. Bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons, n'est-ce pas, prier, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu. Que Dieu, que le feu du Saint-Esprit consume ce qui n'est pas de Dieu à nous. Que le feu du Saint-Esprit consume ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Dans nos vies, nos puissants de Jésus. Élève-la, commence à invoquer le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pour consumer ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, n'est-ce pas? Dans ton corps, dans ton être tout entier. Éternel, notre Dieu. Alléluia. Mon corps et mon esprit t'appartiennent. Seigneur, je vous dis, vous êtes glorifié dans mon corps. Que le feu du Saint-Esprit consume ce qui n'est pas de toi. Que le feu du Saint-Esprit consume ce qui n'est pas de toi. Dans mon cœur, dans mon être tout entier. Le feu de vos rangs, le feu du Saint-Esprit consume ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire, maître du ciel et de la terre. Seigneur, purifie, sanctifie, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de purifier, merci de sanctifier, au nom puissant de Jésus, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de paix. Merci de purifier, de sanctifier, au nom puissant de Jésus. Nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. Nous invoquons la puissance du sang de la nouvelle alliance. Seigneur notre Dieu, merci, c'est notre Dieu. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions, maître du ciel et de la terre. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, le grand roi, éternel notre Dieu. Alléluia. Que tout ce qui est à moi soit consumé par le feu du Saint-Esprit, qui ne te glorifie pas. Que tout ce qui ne te glorifie pas dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Oh Jésus-Christ, roi de gloire, je te confesse encore ce soir que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons introduire Jésus, n'est-ce pas, bienvenue dans nos vies. Bienvenue, tu vas proclamer la Seigneurie de Jésus dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Bienvenue dans le Seigneur, je t'intronise au roi dans ma vie, dans ma maison. Bienvenue dans le Seigneur, que Dieu purifie nos maisons, n'est-ce pas? Là, nous allons bénir, n'est-ce pas? Que Dieu purifie nos maisons, que Dieu purifie nos familles. Alléluia. Par le sang, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Que Dieu purifie d'abord nos maisons. Tendre Père, nous invoquons le feu du Saint-Esprit dans nos familles, dans nos maisons. Seigneur, que ton feu purifie nos maisons, nos puissants de Jésus. Que ton feu purifie nos maisons. Que ton feu consume ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi dans nos maisons, dans nos familles, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Que le péché soit neutralisé, soit brisé, que le sang qui a été versé à Golgotha lave ma famille de tout péché, lave mes frères et mes soeurs de tout péché. C'est notre Dieu, que ton feu nettoie, que le péché soit lavé par le sang de Jésus dans ma famille, dans l'église, dans mon quartier, que le péché soit lavé par le sang de Jésus, le péché de fornication, le péché de homosexualité, que le péché soit neutralisé, nettoyé, lavé par le sang de Jésus. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous proclamons la victoire du sang de la nouvelle alliance. Puissant de Jacob, grand roi de l'univers, toi qui es assis sur ton trône éternel, toi qui es assis sur ton trône de victoire, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux tout puissants. Alléluia. Ô maître du ciel et de la terre, merci pour ton plan merveilleux. Merci pour ta victoire et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci. Merci pour ta victoire. Nous allons maintenant introniser Jésus, n'est-ce pas, comme étant le roi, n'est-ce pas, dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Mais nous allons introniser Jésus. Que Jésus vienne trôner, n'est-ce pas? Jésus vient trôner. Alléluia. Viens trôner dans nos vies. Alléluia. Viens trôner dans mon cœur par la foi. Viens trôner dans ma famille. Viens trôner dans ma maison. Je t'intronise au roi. Que ton trône s'établisse dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes frères et sœurs. Je t'intronise au roi. Que tu viennes trôner dans ma vie, que tu viennes trôner dans l'église. Nous allons l'introniser, que son trône, bien-aimé. Nous allons l'introniser, que son règne vienne. Alléluia. Élevons-nous, bien-aimé. Commence, bien-aimé. Alors, nous allons proclamer trois fois Jésus est Seigneur. Un, deux, trois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur de gloire, merci encore ce soir pour ta présence, ta victoire dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous t'intronisons, roi, dans nos vies, dans nos familles, dans nos pensées. Je t'intronise, au roi, dans mon âme,
dans mon être tout entier, dans la vie de mon épouse. Je t'intronise au roi. Je t'intronise au roi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je t'intronise au roi dans ma famille. Je t'intronise au roi. Que tu viennes trôner dans ma famille. Que tu viennes trôner dans ma belle famille. Que tu viennes trôner dans mon quartier. Que tu viennes trôner, alléluia, dans l'église, la Nouvelle Jérusalem. Ah oui, dans l'église, la Nouvelle Jérusalem en Belgique. Que tu viennes trôner dans l'église de Dieu, dans le monde entier. Que tu viennes trôner dans le corps de Christ. Je t'intronise au roi. Que tu viennes trôner. Viens trôner à moi. Viens trôner à moi. Viens trôner parmi nous. Trône, Seigneur notre Dieu. Nous t'intronisons, roi, dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus, nous t'intronisons, roi. Nous t'intronisons, roi. Au nom puissant de Jésus, éternel Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons maintenant prier, n'est-ce pas, bien-aimé, pour nous allons implorer la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas, dans la vie de tous ceux qui sont malades. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Nous allons, bien-aimé, prier que Dieu, nous allons implorer la miséricorde pour tous ceux qui sont malades, bien-aimé. Nous allons que Dieu, n'est-ce pas, manifeste sa gloire. Nous allons réclamer la puissance de la guérison dans la vie de tous ceux qui sont malades. Nous allons, bien-aimé, prier pour Papa Joseph et toute sa femme. Nous allons implorer la miséricorde dans la vie de Papa Joseph, qui a la réanimation, bien-aimé. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons implorer la miséricorde pour notre frère Paul. Hein, Papa Paul, nous allons implorer sa miséricorde aussi. Bien-aimé, nous allons implorer la miséricorde pour Maman Fifi. Bien-aimé, nous allons implorer la miséricorde. Que Dieu ait, nous allons implorer sa miséricorde et son pardon. Que Dieu ait pitié. Que Dieu touche, n'est-ce pas, bien-aimé. Que Dieu guérisse, bien-aimé. Si toi-même, tu es malade, n'est-ce pas, dans ton corps, tu vas implorer la miséricorde. Que Dieu s'élève. Que Dieu guérisse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu dise comment c'est paralytique, n'est-ce pas. Lève-toi, marche. À présent, pardonner ses péchés. Dis, allez, lève-toi, marche. Bien-aimé, que Dieu touche, bien-aimé dans le Seigneur. Nous croyons, bien-aimé dans le Seigneur, par la foi, que Dieu est capable de le faire. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé. Proclamons trois fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous venons devant toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Le pitié, c'est notre Dieu. Aie pitié, Seigneur, de tous ceux qui sont malades. Aie pitié de nous, tendre Père, dans notre corps. S'il te plaît, tendre Père, aie pitié. Que toute maladie soit neutralisée par le sang de Jésus. Aie pitié, c'est notre Dieu, dans les corps de mon frère, de mon frère, de ma soeur. Aie pitié, tendre Père, de Papa Joseph. Nous réclamons, tendre Père, la santé de Papa Joseph. Aie pitié de Papa Joseph. Aie pitié de Papa Joseph. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, nous implorons ta miséricorde dans la vie de Papa Joseph. Nous implorons ta miséricorde. Aie pitié de Papa Joseph. Aie pitié, tendre Père, que le sang verse à la croix. Allez, nous proclamons la victoire du sang versé à Golgotha dans le corps de Papa Joseph. Aie pitié de lui. Aie pitié de Papa Paul. Aie pitié, tendre Père, de Papa Paul. Aie pitié de frères, tendre Père, aie pitié de Papa Paul, au nom puissant de Jésus, de leur famille respective, aie pitié de Maman Fifi. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, aie pitié, tendre Père, de Maman Fifi, dans sa santé, dans son être tout entier, aie pitié d'elle, au nom puissant de Jésus, l'éternel est Dieu qui guérit. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, aie pitié, que toute personne qui est malade parmi nous, tendre Père, aie pitié, s'il te plaît, souviens-toi, que ce soit maladie psychosomatique, que ce soit au niveau des muscles, que ce soit au niveau des jambes, que ce soit au niveau de pieds, que ce soit au niveau de mains, que ce soit au niveau du dos, c'est que ce soit au niveau de la tête, tendre que toute personne malade au milieu de nous, j'implore ta miséricorde. Aie pitié, Seigneur, aie pitié et guéris, aie pitié et guéris. Maître du ciel et de la terre, l'éternel est Dieu qui guérit. Tu guéris toute maladie. Aie pitié et guéris. Aie pitié et guéris. Au nom puissant de Jésus, nous implorons ta grâce. Aie pitié et guéris. Nous proclamons la puissance de la guérison au milieu de nous. L'éternel est Dieu qui guérit. C'est toi l'éternel. Tu guéris toutes les maladies. Tu guéris toutes les maladies. Nous implorons la puissance de la guérison. Aie pitié et guéris. Maître du ciel et de la terre, s'il te plaît, Jésus, guéris. Jésus, s'il te plaît, descends et guéris. Nous t'intronisons, roi. Descends et guéris.
Merci pour la puissance de la guérison. Nous réclamons la guérison en ton nom, Seigneur Jésus. C'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Et ce soir, nous invoquons ton nom pour la guérison de mon frère, de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Nous invoquons ton nom et nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha pour la guérison au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la puissance de la guérison. Nous proclamons la puissance de la guérison au nom puissant de Jésus. Nous réclamons la guérison. Nous réclamons la guérison de tous ceux qui sont malades, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont dans leur maison. Nous réclamons la guérison. Que ce soit ceux qui sont atteints de coronavirus, nous réclamons leur guérison. Nous réclamons leur guérison. Que ce soit les cancers, nous réclamons la guérison. Tendre Père, que ce soit les cancers, nous réclamons la guérison. Que ce soit toute autre maladie, quelle que soit la forme, nous réclamons la guérison ce soir. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Nous réclamons la guérison ce soir. Nous réclamons ta guérison ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci tendre Père. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la guérison. Merci Saint-Esprit. Tu connais ceux qui sont dans le besoin. Saint-Esprit, viens, touche. Saint-Esprit, que ton onction agisse ce soir. Que ton onction agisse ce soir. Saint-Esprit, que ton onction agisse ce soir. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons déprogrammer les maladies. Nous allons déprogrammer la mort. Nous allons déprogrammer les maladies. Nous allons déprogrammer la mort. Nous allons, bien-aimés, déprogrammer, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, les envoûtements, les malédictions par le sang de Jésus-Christ. Proclamons trois fois le sang de 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang, bien-aimés, déprogramme la mort. Déprogramme les accidents. Déprogramme les maladies, bien-aimés. Déprogramme les attaques au culte, tendre Père. Je viens déprogrammer, c'est notre Dieu, la mort prématurée. Je déprogramme les accidents planifiés dans le monde occulte. Au nom puissant de Jésus. Je viens déprogrammer la mort. Je déprogramme, tendre Père, les accidents. Je viens déprogrammer la mort prématurée. Je viens déprogrammer les accidents. Je viens déprogrammer, tendre Père, les malheurs planifiés en cette fin d'année. Au nom puissant de Dieu. Que tout malheur planifié dans le monde occulte soit déprogrammé. Je déprogramme la mort prématurée en cette fin d'année. Je déprogramme la mort prématurée. Je déprogramme les maladies sponsorisées dans le monde occulte, les maladies sponsorisées par la sorcellerie. Je déprogramme toutes ces maladies. Au nom puissant de Jésus. Je déprogramme les maladies planifiées par Satan le diable. Je déprogramme la contamination. Tendre Père, tu as dit, la contagion ne nous frappera pas, c'est notre Dieu, en plein midi. Nous déprogrammons toute forme de contagion, que ce soit au coronavirus, que ce soit n'importe quelle maladie. Seigneur, préserve-nous toute forme de contagion par le sang de Jésus. Préserve-nous, tendre Père, de toute forme de contagion par le sang de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix. Nous proclamons la, nous déprogrammons la contagion, nous déprogrammons les accidents, nous déprogrammons, c'est notre Dieu, les malédictions, les envoûtements, tendre Père, je brise les envoûtements, je brise les malédictions programmées contre nos vies, contre nos familles, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, j'ai détruit sur tout ce que l'ennemi a programmé contre nos vies, contre nos familles, j'ai détruit tout le programme du diable contre nos vies, contre nos familles, au nom puissant de Jésus, j'ai déprogrammé les malédictions, je les brise, je les déclare sans effet, nul non avenu, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à remercier le Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Oh, merci, Saint-Esprit. Nous voulons recommander Maxime entre tes saintes mains. Il est en prison, Saint-Esprit. Révèle-toi à lui, au puissant, fortifie-le au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce et pour ta faveur. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton amour. Merci, cher Saint-Esprit, pour le pardon. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce temps de prière. Merci, cher Saint-Esprit, de nous avoir fortifiés, de continuer à nous fortifier encore dans la prière. Merci, Saint-Esprit, alléluia, pour la guérison, pour le pardon. Merci, Saint-Esprit, pour la justification au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour le salut au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus, c'est notre Dieu, que le sang de Dieu recouvre nos vies, que toute contre-attaque après ces temps de prière soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus, je proclame la couverture du sang de Jésus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, tendre Père, que notre refuge soit dans le sang de Jésus, que le sang qui a été versé à Golgotha recouvre nos familles respectives, recouvre mon frère, ma soeur, recouvre tendre Père, alléluia, nos biens, nos maisons. Au nom puissant de Jésus, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus.
Amen, 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 amen. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Je viens sceller toutes nos prières dans le sang de Jésus. Je viens sceller toutes nos prières au ciel dans le sang de Jésus. Merci, c'est notre Dieu, pour le pardon. Merci pour la guérison. Merci pour la justification. Merci pour la libération. Au puissant de Jésus, merci pour ta grâce. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. De tout cœur, merci. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, merci. Soyez bénis.